le Shabbat avant le neuvième jour du mois de Havre, le jour de la destruction des deux temples. Nous lisons toujours l'Aftara du prophète Ishaya qui commence avec Chazon Ishaya ou la vision du prophète Ishaya. C'est la raison pour laquelle aussi que ce Shabbat appelé le Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision. Et pourquoi on lit spécialement une prophétie de Ishaya Parce que Ishaya, ça vient du langage de Yeshua qui veut dire la délivrance. C'est le prophète de la délivrance et du salut. Et avec quoi on conclut l'Aftara Siyon que Yerushalayim va être libéré avec la justice. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice Eh bien, dans la traduction araméen, le mot b'mishpat, qui veut dire justice, est traduit kehil avec la loi. La loi dans le sens, la loi de la Torah. C'est-à-dire que comment on libère Yerushalayim C'est en étudiant la Torah, ça c'est un. Et le verset conclut, « Veshavea bitzdaka Chavez à azaken traduit par les captifs, ceux qui ont été exilés, bitsdaka par la charité. C'est-à-dire que dans cet avtara, on nous dit... Avant que Hachem donne le coup entre guillemets, qui est la destruction du temple, il nous dit je vous ai donné la solution. Rajoutez dans l'étude de la Torah et rajoutez dans la charité, rajoutez des actes de bonté et de bienfaisance, et par cela on amène la geoula à la délivrance. En effet, g'dolat La charité, elle a une grande force, qu'elle rapproche un peu plus la délivrance. Alors rajoutons aussi bien dans l'étude de la Torah, dans la charité, et accueillons ma très prochainement. Une excellente journée.